Un truc qui pourrait intéresser Fox, il ne l'a pas déjà. Non. Bon, attends. Demande-lui directement de téléphone. Ouais, c'est quoi exactement? Parce que du coup, là, il faut qu'on fasse un copier-coller et tout. Hein, Raph, de quoi s'agit-il? J'ai pas le temps. Oh, mais bien sûr que tu l'as eu le temps, mon petit Foxy. Oh là là, oh là là là, oh l'arnaque! Eh, mais c'est quoi cette arnaque? La cartouche originale de Metal Gear sur MSX. Ah yes, ouais, mais elle est connue celle-là. Ils fusillent dodo les soldats. C'est ça, tu fais pas dodo pendant ton tour de garde. Si, si, pas très très Tu bien. veux au moins mettre ta tête en carton. Si, ça. Oh, un otage! La musique là! Quoi? Oh, comment tu l'as échappé belle, mais d'une milliseconde. Ah, les voilà. Lunettes thermiques. Les lunettes thermiques. Ouais, parfois ça s'accélère, donc voilà quoi. Regarde-moi, c'est con. Hop. À ce niveau-là, c'est plus de la chance, hein. Ah ouais, Metal Gear 2 en complet sur MSX en import pour 238 euros, ouais, quand même, ouais. Pas cher, pas cher. Pas cher, hein. Pas cher. Allez, viens, allez, viens. Ah oui, non mais tu as raison, hein, Caro, c'est méga cher, c'est méga cher. Non, c'est pas cher, pas cher, argent. Non mais Fabrice, on a compris avec le poutrage, c'est bon. Et puis Elodie, le lance pas non plus, quoi. Oui, c'est vrai, surtout pour une cartouche que tu n'oseras jamais toucher. C'est ça, c'est exactement ça, Caro. Voilà, moi les 238, je veux bien les donner, je veux bien les récupérer, hein, au pire. Comme Nuke, pas de problème. Bon bah on va vous laisser vous faire votre petit mariage là, Hello et Fabrice, hein. Mais ouais, mais moi j'y suis pour rien moi Steve à ce niveau-là, faut voir avec avec les énergumènes au-dessus là. Puissant, puissant, Raph a peur des nouvelles conneries de Fabrice. Tremble. Marc, il est jaloux? Oui, jaloux, oui. Ah, parce que toi, tu... Bon, ok. D'après... Oui, ok, je suis jaloux. Ok. Si vous voulez, les enfants, pas de problème. Dark qui parle que c'est très soft, oui. Bon, chacun son point de vue. Autant streamer à poil à ce niveau. Bon, bah vas-y, hein, Fox, on se déshabille, quoi. Ou pas. Mais dis donc là, attends, 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 attends. Je suis en train d'apprendre, là, il y a Hello et Caro qui...
qui sont. Non, mais là, ça commence à m'intéresser, là, par contre, les filles. Fabrice qui suit pas du tout la conversation. Ricky Gear, continue à lui faire croire que t'es son homme à Hello. Attention, le chat va être interdit au moins de 18 ans. Mais ouais, mais moi j'y suis pour rien, moi. Machine Gun Kid! Oh là là. Et ça c'est digne de Vulcaraven un truc pareil là. Dis-moi que t'as de la vie. Non! Ah oh, putain mais t'as de la vie. Ouf. Non mais moi je. Non mais Milouz, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein. On est tous d'accord. C'est pas un chat d'encontre, on sait tous déjà. Oui, mais bon, ça prend des tournures quand même. Ah oui, non, Dodal, c'est une mineure. Hein. Ah mais Fabrice, tu savais pas? Mythic Fox. D'après Raph, c'est Mythic Fox. Ouais non, franchement, GG, comment t'as dessoudé Machine Gun Kid, c'est GG, il a raison, GG. Et ouais Fabrice, tu as même très certainement rencontré Ricky Gear également à la Japan. Super Meat Fox. Nous dit que nous sommes sur Super Meat Fox. C'est pas de ma faute. C'est pas de la mienne non plus, hein. Attends. Moi je suis parti pour faire un live Metal Gear quoi. Moi je suis le seul qui regarde comment tu joues quoi. Tous les autres ils sont en train de se poutrer ou je sais pas quoi. Super Meat Fox. Ah mais Meat MEAT quand même. Ah, c'est déjà un peu plus intéressant. Et maintenant on va me faire passer pour un rabat-joie là. On va me faire passer pour un rabat-joie là. Il faut comprendre quoi là? Marc il est le seul ami de Fox. Il faut comprendre quoi par là Fabrice? Marc le rabat-joie. D'accord, ok. Un barrageois. Bon voilà, Fox, je suis catalogué, je suis le rabat-joie de service. Hein? Ah, mais t'inquiète, je prends pas mal, je t'aime plus, c'est tout. Tu m'as vu l'autre soir, moi je pète les plombs, moi je pars plus aux gens, moi. Allez, bim, boum, boum, blam. Par contre, c'est nul parce que ça tire n'importe où quand même ta mitraillette là. Tu sais que j'étais jamais arrivé jusque-là, hein. T'es un badass, Fox, t'es un badass.
En tout cas, Fox, Sunbud, pour la réussite de ton live, ta progression depuis le dernier est assez épatante, d'après Steve. Merci, mon Steve. Donc, toi, ça me touche. Voilà, venant de toi, Steve, il dit que ça le touche. Ça le touche, il ne se touche pas. Hein. Je dis ça pour les gens comme Fox. Hein. Après, Steve, tu l'as vu le dernier trailer là, de Ground Zero? Ah ouais, Fabrice, Steve, est-ce que tu as vu le dernier trailer de MGS, Ground Zero? Non, mais tous les goodies qui vont sortir, que ce soit le Metal Gear 70 cm, c'est quand même. Ouais, tous les goodies aussi, ouais. C'est quand même. Voilà, quoi. Ces objets précieux. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir un peu tout ça en photo ou quoi? C'est bien, Steve, c'est bien. T'inquiète, attends, et nous-mêmes, c'est dans les premiers, eux, c'est clair. Heureusement qu'on avait l'iPhone. C'est clair, tu vois comme quoi iPhone c'est bien. Ah putain. Oh là là. Stop, 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 ah fou, 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 fou. Fox, là, tu nous fais du freestyle, là, Fox, hein. Tu Oh putain. m'as fait une frayeur, Fox, hein. Oh là là, oh là là, qu'est pas ça? Oh les salopards! Yes, salut Tripping Cloud! Yes, salut Trippin. Oui, tu as, oui, Newt, nous avons parlé d'iPhone, oui. Mais sans l'iPhone, nous n'aurions jamais su en avant-première, au moment même où l'info sortait, que comment dire, qu'il allait avoir Ground Zero. Non, spotté! Fox! S'il a un gilet pare-balles ou quoi? Fox! Non! Bon. Voilà, Fox est mouru. Oui, mais en même temps, on l'a su un peu avant tout le monde. Donc c'est quand même un peu mieux. Personnellement, en tant que fan de MGS, je préfère. Salut Raph, à bientôt. Bye Raph. Et merci d'avoir été avec Merci de nous. passer. Sympathie à la mort de Fox, merci. De quoi, Caro? T'arrêtes pas d'avoir des news de MGS Fox? Genre, t'en peux plus de quoi? Bah oui, on en a jamais assez des news de MGS, c'est pas possible ça. Comment ça, tellement ça spamme? Ça spamme pas ça. Ça donne des informations sur le prochain MGS. Caro, qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais c'est pas du spam à ce niveau-là, c'est de l'information. T'inquiète, tu verras ça sur la rediffusion sur YouTube. T'inquiète pas, Raph. Si on arrive à tout acquérir, là, on va arriver à 2 heures de là, donc on va dans Ouais.